Salut à tous les gens, c'est TheBlakes3 et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre Paradox Mega Campagne avec le canard du fondateur. Au lendemain donc d'une bataille sanglante à Toulouse dans les montagnes entre Navarre et le canard du fondateur. Alors. Donc toi t'étais sur place. Vous allez ici. Voilà. Et vous allez... C'est quoi? Non, vous allez là. Et vous, plutôt, vous allez là avec votre armée ici. Voilà. En tout cas, voilà une bataille qui était vraiment sanglante. Hein. Ouais, c'était peut-être pas malin de les poursuivre avec une armée de 3000 hommes. Je dis ça, je dis rien. Oh non, ils assiègent le Congo. Oh non, nous sommes perdus. Comment ça se passe niveau score, fatigue de guerre, lassitude de guerre? Oh la vache, Navarre a morflé en tout cas. Eh hey, Navarre, ça te dirait d'abandonner? Et faire chier ton allié? Non. On fait un véritable mur d'armée. Oh, ça c'est mignon. Ah, ils ont intérêt à être fiers, ouais. Eldon. Ok. Ah, j'ai rien dit, il reste encore une province à coloniser dans le nouveau monde. Bon, on le fera après ça, ça ne m'urge pas. C'est pas comme si de toute manière on dominait... Tiens, pourquoi je... Ah, c'est la capitale de la nouvelle viking. Enfin, nouveau canal viking. Parce que la Mauritanie a fait un bon boulot de d'occupation du canal viking ici en Afrique. Allez, poursuivons. On est premier. Voyons voir si qui nous poursuit au niveau du score. Voyons voir pays score. Oh la vache. On est nettement devant l'Italie. L'Italie qui est à 6413. Ensuite Navarre, le Canada côtier, la Pologne-Bohême. Et qui gagne le plus? Le Canada côtier gagne beaucoup plus. Oh la vache, Navarre a chuté. Hein. Ok. Ouais, on domine. Hein. On domine très largement.
Voilà. Petit massacre. Ensuite, ce que je vais faire avec cette armée-là, je pense que je vais la rapatrier vers les îles Baléares, puis on va faire un débarquement. Ouais! Le port est de quel côté? De celui-ci. Et voilà. Alors, déjà ça je veux bien. Non. Ça je veux bien. Ensuite je prendrai ça quand. Le canal viking est ici. Ok. Tradition militaire, on a ça, ok. Voilà un général assez puissant. On a intérêt de se méfier. Parfait. Voyons voir. 2. Ouais, et puis non. Hop. Voilà. On va laisser ça comme ça. Je vais pas m'embêter. Modificateur local. Commerce, allez, pourquoi pas. Ok. En tout cas, c'est beau à voir, hein. C'est beau à voir dominé Navarre comme ça. Elle qui nous a causé tant de tort. Cuivre, ok. Navarre, ça doit pas être très beau, hein. Ouais. Ah, j'aime bien voir nos armées vaincre l'ennemi.
pourquoi pas. Coalition contre la Russie. Horde d'or, et sinon à peu près tout le monde s'en fout. À part la Horde d'or, tout le monde s'en fout de la Russie. Ok. Saboter la réputation contre nous. Ah bah c'est beau ça, hein. De toute façon, c'est bien les orthodoxes, ça. Ils ne savent qu'espionner et ne faire des coups bas. Déjà ça, c'est ce que je désirais à la base. Ensuite, ça a toujours pas été pris ça? Ça va l'être. J'aimerais bien prendre déjà ça, ainsi que ça. Ça va effacer cet horrible nom. Et ensuite, ça suffira pour la guerre. Hein. Ça sera surtout une guerre de colons, de colonies. Après, si je peux prendre ça aussi, pourquoi pas. Mais ça coûtera déjà un peu cher. Mais on verra. Améliorons des relations autour de nous. Pourquoi pas? Allez, je vous attends là. Allez. Ok. Hop. Et voilà, l'annexion pure et dure du nouveau canal viking. Qu'est-ce qu'il y a ici? Les Bermudes, bon, ils peuvent garder, hein. C'est qu'une île. Non, j'ai pas envie de prendre. Off. Je pense que c'est bien. Est-ce que ça vaut le coup d'appuyer davantage? Je pense pas. Ok.
Non, ça m'a l'air bien. Ok. Apparemment j'ai pris trop. Je pensais que ça avait considéré ça en fait, mais c'est pas grave. J'ai peut-être été trop gourmand, mais je pense pas que ça va nous être fatal. Oh là là, il est merdique. Ah, c'est déjà mieux. Ça, tac. Samoa est terminé. Aller à l'ouest. Tac. Le bon vieux système rue de châtiment. C'est pas grave, je n'avais pas besoin de lui. Ok.
Je suis sûr que ça va me coûter cher en points administratifs tout ça. Pour régler toute cette surexpansion. J'aurais pas dû prendre cette technologie. Mais bon, tant pis. On fait des erreurs comme ça. Ce ne sont que des rebelles. Ah la vache. Quand même avec 128 en discipline, imaginez la puissance de l'armée du Canada du Fondateur si elle était réelle. Avec autant de discipline, c'est genre... Allez là-bas. Sans... En gardant l'information et tout. Avec... Oh là là, je n'ose même pas imaginer avec les infanteries de ligne et tout. Ça doit être... badass. Hop, tac. Bon, j'aurais préféré administratif, mais bon. Ah, ça m'intéresse, oui. Mais je voudrais d'abord améliorer la technologie. Ah, quoique. Ah. Non, la technologie. La technologie. Je pense qu'elle est trop importante pour passer à côté. Hein. Ouais. Attention, qu'est devenu les fils Kariat? République administrative. Oui, bien sûr. Oh là là. J'aurais dû les annexer. Je n'aurais pas dû les rendre indépendants. Ta-ta-ta. Voilà. Parfait. Chaque armée doit avoir 12 canons. Bon, ok.
Voilà. Petite réforme de l'armée. Mise en valeur des canons, parce que les feux d'artifice, on aime ça, nous. Voilà. Insulte diplomatique contre Japon. Allié à Navarre. Oh là là, Navarre. Tu fais tellement pitié. Ils cherchent des alliés partout. Je sais même pas comment il fait pour gagner autant de points diplomatiques. 1, 2, 3, 4, 5 alliés. Ah, le pauvre. Le pauvre. Le Canada de l'Est s'est encore fait éclater par la Russie. Byzance envahit la Perme. Ok. Et uniquement la Perme. Ah, parce qu'ils sont en guerre face à la Russie. Ah, d'accord. D'accord. Ok. Stanovoy. Bien. Marin audacieux. Ok. Bien, bien. Ok. Maintenant, je vais devoir attendre 100 puissance administrative. Comanche. Ok. Tu peux donc aller ici. Semer le mécontentement contre nous. Eh non, mais franchement, Byzance, là, je commence à m'énerver. Je vais soutenir des rebelles. Parce que là, il me chauffe, là, c'est bon. Il pense pouvoir agir comme ça dans l'ombre, mais... Là, j'ai bien compris leur petit jeu. Hein.
Bon, en tout cas, ça va le faire pour aujourd'hui. Hein. Merci d'avoir regardé cet épisode. C'était The Play X3. Et on se reverra par la suite de notre Paradox Mega Campagne avec le Kana du fondateur. C'était The Play X3. Merci d'avoir regardé. Salut à tous.